TF1, ils ont voulu m'étrangler parce que toute la promo de Koh-Lanta, c'était à propos retrouvez-moi sur le M6 Mobile Mega Jump. Les Actuvores, animés par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. Il y a aussi de nombreux jeux télé. Vous avez participé à Koh-Lanta, le choc des héros en 2010, Pékin Express. Il y a eu Danse avec les stars aussi. Ça, c'est cool, ouais, incroyable, finaliste aux côtés de la danseuse. J'ai peut-être mal prononcé son nom. Eh oui, Ikonomova. Ouais, hein, voilà. Génial, Denisa. Voilà. Et je vais vous raconter Ireland aussi dernièrement. Ouais, Ireland. Et je vais vous raconter une petite anecdote sur Koh-Lanta et Pékin Express, parce que normalement, c'est interdit de faire ces deux émissions, parce que c'est des émissions qui sont sur des chaînes concurrentes. Mmh. Ah, et c'est interdit, c'est-à-dire quand les gens. Il n'y a aucune chaîne de télé. Ouais. Si t'as TF1 qui te prend sur Koh-Lanta. Mais c'était en même temps, non, 2010. En fait, c'est vrai que c'était la même année. Ouais. Ce que j'ai fait. C'est que j'ai pas dit à TF1 que je préparais mon record de la Tour Eiffel et que mon record était sponsorisé par M6 Mobile et diffusé sur M6, sur W9. J'ai fait le casting de Koh-Lanta, j'ai été pris sur Koh-Lanta, donc j'ai enregistré Koh-Lanta. Et une fois que Koh-Lanta était dans la boîte, j'ai annoncé en disant à propos, alors Koh-Lanta a été diffusé pendant 7 semaines et la 8e semaine c'était mon saut de la Tour Eiffel sur M6 par M6 Super Mobile. Timing. Ça a rendu dingue. Mais qu'est-ce qu'ils ont dit TF1 ? Alors TF1, ils ont voulu m'étrangler parce que toute la promo de Koh-Lanta, c'était à propos retrouvez-moi sur le M6 Mobile Mega Jump. Bon, maintenant ils vont fusionner, ça va. Il n'y a pas eu de souci de contrat à ce moment-là. Non, parce que c'était de bonne guerre et à la fois, M6 était ravi, c'est pour ça qu'M6 m'ont dit l'année d'après, viens sur Pékin Express. Et c'était de bonne guerre, j'avais quand même réussi à faire ce saut de la Tour Eiffel qui a eu une médiatisation énorme. Et TF1 m'a pris l'année d'après pour Danser avec les stars. Tout le monde est content du coup. Et comme ça, exceptionnellement, on fait les deux programmes. Et voilà, c'est comme ça, c'est les petites techniques.